bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est samedi 11 février et je vous parle en direct depuis le Bryant Park, qui est un endroit que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup dans Manhattan, parce que c'est un des premiers endroits où je me suis promenée l'année passée et un des premiers endroits où j'ai bu du cidre en hiver sur le marché de Noël. Et aujourd'hui, avec le Crowley, on a décidé de venir s'en boire un petit. Oui, petit. Regardez le truc. Le truc fait quasiment toute ma tête. Bah, vous savez que parfois on a un petit peu de mal à comprendre hein, quand les gens parlent. Et le monsieur, en fait, il nous a demandé un truc et le Crowley a dit oui. Et il a dit, j'ai l'impression qu'il a demandé si je voulais du rhum dedans. Et en fait, il nous a mis une bonne lampée de rhum dans notre cidre. Comment vous dites ? Il a demandé du rhum ou du bourbon. Hein ? Il nous a demandé si on voulait du rhum ou du bourbon. Voilà. Donc, bah, je pense que le rhum, ce sera quand même un peu plus doux que le bourbon. Mais. Bah, au moins on n'aura pas froid quand on va sortir, hein. Même s'il fait pas spécialement froid aujourd'hui, il fait 7 degrés, mais là c'est sûr qu'on aura bien chaud. Voilà, on a terminé notre cidre et... miraculeusement, on tient encore debout. Mais c'est vrai qu'on a... on a quand même eu un petit choc thermique, je dois bien l'avouer, parce que... Et pourtant... Attendez, je reprends le micro. Il fait quand même 7 degrés dehors, mais avec un espace... Vous savez, où il y a un air chaud... Si, si, il fait 7 degrés. Si, 7 degrés, certainement. Il y a un air chaud qui soufflait en permanence, donc c'était assez endormant. D'ailleurs, il y avait un monsieur à côté de nous. Endormi. Qui s'était endormi, mais alors là, le bon gros sommeil, et il avait son espresso dans la main, posé sur sa jambe, c'était pas très frais, il avait deux chandelles qui coulaient de son nez, et puis il s'est réveillé d'un coup, il nous a demandé l'heure, il a bu son espresso, qui devait être dégueulasse parce qu'il devait être froid, et il est parti. Voilà, ça c'est la magie de New York City. Et ici on est sur la 42e, on se dirige vers Times Square. Vous vous souvenez, dans le vlog d'Aladin, je vous avais montré cet endroit et on rentre. On va aller faire quelques petites courses pour s'acheter de quoi souper, enfin, de quoi faire à souper. Et ensuite on rentre. Parce que ce petit cidre nous aura un petit peu mis KO. Non mais c'est vrai que on est sorti une bonne partie de l'après-midi. Et du coup bon, on est un peu fatigué. Donc Pépé et Mémé Crowley rentrent à leur baraque. Alors on vient d'avoir un truc qui nous était jamais arrivé. Le métro n'était pas bondé et ils ont fermé les portes devant nous et plein d'autres gens. Et le métro est parti. On n'a pas compris pourquoi. On se retrouve planté là alors que on avait le métro juste devant nous.